Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog 3 et on va rester à Malte aujourd'hui. Là, ce matin, on va au village de Silema. C'est ça? Ouais. Et on va visiter un petit peu et de ce qu'on m'a dit, il y a un centre commercial. Donc je pense qu'on va aller y faire un petit tour. Il fait déjà super chaud. Et cet après-midi, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, si on sait, mais on ne sait pas dans quelle heure. Donc, on vous dira ça au moment venu. Donc voilà, là, on va prendre le bus et je vous retrouve là-bas, comme d'habitude. On a fait un petit tour de cinéma. Donc, en fait, si vous voulez venir faire les magasins, c'est ici, il y a tout. Il y a Mac, il y a des Iguales, Armani, Okaidi. Mode, Zara, enfin il y a vraiment toutes les enseignes qu'on peut retrouver en France. Il y a même Nix. Oh, j'ai trop de mal tellement j'ai chaud. Voilà, il y a vraiment de tout. Et voilà, si vous voulez faire les magasins, il y a même Top Shop. Je vous dis en même temps quand on passe. Donc voilà, c'est plusieurs ruelles commerçantes en fait. Donc nous, on n'est pas venu trop pour faire les magasins, on va dire. On a regardé souvent, surtout pour le bébé, mais vu qu'on sait pas ce que c'est, et ils n'ont pas de trucs mixtes, on n'a rien trouvé. Donc voilà, là on va faire quelques petites ruelles, voir si s'il y a des coins sympas. Et puis après, on va retourner à l'hôtel manger. Je pense que je vous emmènerai avec moi pour voir le repas. Donc je vous retrouve tout à l'heure si on a trouvé un petit coin sympa. On a mangé, je ne vous ai pas filmé le buffet, j'essaierai de filmer ce soir, mais là on n'en pouvait plus. Avec qu'une chose, c'est se poser, manger et boire. Donc là c'est reparti. Donc là on va à Mdina. Donc pareil, on va prendre le bus. J'essaierai de vous filmer pendant l'aller, mais je ne sais pas si on va bien voir avec les carreaux. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve là-bas parce que par là il y a pas grand chose d'intéressant à part des petites boutiques et des restaurants bars. Donc voilà, tout à l'heure. On est à El Mdina, donc c'est la cité du silence. Donc c'est très silencieux pour le coup. Et c'est plutôt sympa, les petites ruelles, le décor comme sûrement vous voyez derrière moi et tout. C'est plutôt sympa, c'est médiéval, c'est ça? Donc voilà, donc, je vais vous emmener avec moi dans quelques petites ruelles. Et c'est parti pour la visite alors. Thank you.
Mdina. Donc c'est plutôt sympa, je vous conseille vraiment de venir ici. En plus c'est gratuit, il y a juste à prendre le bus. Et après on a été voir une ruelle du petit village qui est à côté. On a été acheter des petits souvenirs dans une boutique à souvenirs. Et puis voilà, là on va rentrer parce qu'on est KO, on a mal aux jambes. Et j'ai clôturé le vlog là parce qu'après on va aller sûrement à la piscine, manger et puis comme d'habitude après dormir. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que ce vlog vous a plu et moi je vous retrouve dans le vlog numéro 4.